Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le vlog tant attendu, genre le vlog! Vraiment, c'est le vlog! Alors moi, je suis choquée que je suis en train de le filmer là, genre c'est inespéré! Comme vous avez pu le voir, c'est le départ en Tunisie. Moi, je vous préviens dès maintenant, regardez cette vidéo, posez-vous! Genre vraiment, prenez des pop-corn. Prenez ce que vous voulez, je pense qu'elle va durer très longtemps, à peu près 30 minutes. Papa, il nous attend, allez! Allez! Allez, oui. Tes affaires. Vite, on va être en retard. Oui. On va tout vous vlogger et il y a Rayel avec nous. Allez, Rayel, t'as vu ma coupe-traînée, voilà. Voilà. Ma valise du bateau, mon sac normal et mon sac à main. On est le 6 juillet et on a le bateau à 22h, c'est ça? Ouais. Ouais, on a le bateau à 22h. Mais c'est sûr, on embarquera peut-être vers minuit, un truc comme ça. Il est 13h, on est encore à Nice. Il faut qu'on aille à Gênes. Je crois que c'est 3 heures de route, c'est en Italie. Et le bateau, il est à Gênes. Et après, bah, direction la Tunisie. Ça va être des galères, ça va être du stress. Surtout le stress de mon père. Oh, vous connaissez les darons rebeux là, comment ils mettent le stress quand c'est les vacances et tout. Mais malheur. Vous savez, on rentre genre presque un mois et demi, un mois et 10 jours. Et c'est le mariage à Donia. À Donia. Là, on rentre spécialement pour le mariage à Donia. C'était la fille, ma cousine, qui était dans mon vlog Tunisie, mon tout premier. C'est elle là. Et bien, elle va se marier. Là, en vrai, j'ai pas grand chose à vous dire. Dès qu'on embarque pour l'Italie à Gênes, ben, je vous reprends. Voilà, voilà, voilà. Bon, du coup, là, on a pris la voiture, enfin, et on peut aller en Italie. Inch'Allah, s'il n'y a pas de galère ou de problème. En fait, ça fait genre presque 2 heures. On est parti, on s'est enregistré. Je vous raconte même pas la galère. Catastrophe. Bon, regardez-moi ce traître, il mange sans moi là. En plus, c'est moi j'ai préparé le pique-nique. Hein. Alors, c'est bon? T'as mal au ventre. À chaque fois que je fais un truc à manger, que tu le manges, t'as mal au ventre. Mais ça t'a fait les cheveux parce qu'il fait grave chaud. Bon, il est 9h là. Je sais pas si vous entendez, il y a toutes les voitures qui klaxonnent. Ouais. Je pense que peut-être ils sont contents de rentrer au bled. Bon, en fait, je vous raconte ce que je suis en train de faire là. En fait, aujourd'hui, comme par hasard, il y a le dernier épisode des apprentis aventuriers. Le dernier, la finale et tout, avec Ryan, on a tout suivi depuis le début. Et le dernier épisode, il sort à 22h15 et là, il est 21h13. En vrai, si on est dans le bateau, je peux le télécharger l'épisode vite fait. Mais quand le bateau il aura trop avancé, on n'aura plus internet. Ça veut dire qu'on pourra regarder la finale que quand on arrive en Tunisie. Mais il va falloir que je fasse en sorte que personne ne me spoil. Dis-moi, selon toi, c'est qui va gagner la finale des apprentis aventuriers? Moi j'aime pas les oranges. Ouais, les oranges. Ma mère, son bateau, il a fait 3 heures de retard. Je pense, moi, au niveau du cœur, je préfère les jaunes. Il est 9h30, tout le monde, le bateau, ouais. Il part à 10h. Mais si je veux être réaliste et tout, je pense que ça va être les rouges. Ouais, en vrai, c'est les rouges qui vont gagner. Enfin, je pense. Mais j'aimerais bien que ça soit les jaunes. Parce que eux, ils ont une chance de malade. C'est un truc de fou. Bon, on va voir, on va voir. Maman, pourquoi ils font du bruit comme ça? Parce qu'ils veulent monter. Regardez, là, ils ont commencé à embarquer les voitures, et ça c'est toutes les voitures qui attendent. Bon, on a trouvé notre cabine super rapidement, je crois que c'est la première fois. Nos cabines, elles sont devant les ascenseurs, regardez. Regardez, l'ascenseur, il est juste là. Et notre cabine, elle est là. Genre, on peut pas se perdre. Bon, je me suis assise dans
vous voyez les couloirs là où il y a des cabines, ben, je me suis assise là. Et là, il y a mon téléphone qui charge. Regardez, je suis dans le lit du haut. Et Ryan aussi. Avant, je crois que c'était dans le bateau tunisien. Ici, il y avait un miroir qui déformait ton visage, tu te rappelles? Ah, il était super drôle. Là, maintenant, c'est des miroirs simples. Dis coucou avec ton pied. Bonjour. Je suis KO. Oula. Je suis fatiguée. Non mais la dernière fois que c'est pris en bateau. Mais de Tunis à Gbel, tu peux y aller en 4 heures? Tu roules comme un dingue, oui. Roule à 200. C'est incroyable. Une fois, je suis parti avec un taxi, mais 5 heures. 5 heures? Si, roule à 200. Non, roule, mais oui. Maman va mettre 10 heures avec toi. Putain, roule à 60. Comment tu peux rouler à 60? Voilà quoi, de l'autre. Je vais me changer. On va faire une bonne transition des familles. Regardez ça. Ça va bien? Embrasse ma grande. Et voilà! Yeah! Prête avant tout le monde. Hein, vous avez dit ouais le temps que tu fasses ta plaque. Regardez, ma mère elle nous a acheté ça. C'est un gros truc, un gros livre avec plein de blagues carambars. Je te fais une blague, une petite blaguinette. Pour un stade de foot, où soigne-t-on les blessés? À la chambre. Dans la surface de réparation. Ah bah mais. C'est pas drôle. Ah si, oh voilà, c'est bien trouvé. Peut-être que la blague elle est drôle si tu connais bien le foot. Mais non, parce que c'est la surface de réparation, genre on te répare. Ah. Je peux pas sentir, mais le bateau il bouge. Ça c'est un chargeur. Genre là on le sent vraiment bien. C'est flippant. On va se balader. Yeah. J'avais hâte, j'attendais que ça. Ryan, t'es prêt? Attends, ouais. Dites-vous, ça fait depuis 2014 qu'il a pas pris le bateau. Du coup, je vais lui faire visiter aussi à lui. Il fait super climatisé, c'est trop bien. Vraiment. Ryan, t'as chaud ou t'as froid là? Franchement, ouais, là on est bien. Oh, regardez, on peut directement aller voir la mer. Oula! Ah, mais c'est trop bien. Je savais même pas qu'on pouvait voir la mer aussi proche des cabines. D'habitude, on doit monter et tout. Ah, là, c'est à côté. On reviendra plus tard. Là pour l'instant on a un bateau à visiter. Regardez-moi ceux-là, ils font une course. Regardez mes ongles. Est-ce que vous aimez bien? Genre j'ai fait une French avec un petit cœur. Parce que une French c'est déprimant. Oula. Que une French c'est déprimant. Du coup j'ai rajouté un petit cœur. On est le 7 juillet et j'ai les résultats du bac de français aujourd'hui. Et j'ai pas de raison. J'ai pas de raison. Avec Mimi, on fait des coloriages. Mimi, montre-nous tes dessins. Regardez Mimi ce qu'elle a dessiné, elle dessine trop bien. Oh, 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 oh
Regardez, nous on est ici. On a dépassé la Corse. Mais ça, je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est une île. On est loin encore. La Tunisie, elle est là, je crois. Regardez la mer. Elle bouge. Attends, en vrai, on dirait pas trop qu'on bouge. Il y a des moments, on le sent de fou. Il y a des moments, on dirait qu'on stagne. Bien, genre, on voit pas de collines, on voit rien. On est en plein milieu. Ma mère, elle est en train de faire la queue pour enregistrer sa voiture. Et normalement, après, il n'y aura plus de queue. Mais vu qu'on n'est pas obligé d'être présent pour l'instant avec Ryan, on va faire autre chose. On va dans les salles de jeu. C'est où? Alors, les salles de jeu, c'est Video Games. C'est ouais. Au 7ème. Et là, on est au 8ème. Descends. C'est parti. Ici, c'est le bar. Tout à l'heure, on était là-bas avec Ryan. Ici, c'est le magasin. On ira après. J'ai trop envie de m'acheter un parfum. Ah, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine, regardez. Ça fait deux fois d'affilée, deux ans d'affilée, je me fais avoir, il est fermé. Je sais pas pourquoi il est enfermé. Bah, depuis tout à l'heure, il y a une heure de différence. Tout à l'heure, on était là, là, on est là. La Tunisie, elle est là. En vrai, on y est presque. On a fait plus de la moitié, là, il nous reste ça. Pas mal. Il nous reste ta tête. Bon, en fait, avec Ryan, depuis tout à l'heure, on joue à 007. On va mieux vous montrer depuis tout à l'heure, je gagne, je suis trop forte. Bon, à cause des papiers, le self il a fermé, du coup on n'a même pas pu manger. Mais là on est dans le magasin, mais il est plus grand que celui de l'année dernière, je suis choquée. Regardez, on se croirait aux États-Unis, le truc il est énorme. Il coûte combien? 7 euros. 7 balles. Wesh. Il est énorme. Ah, Mimi, si elle avait vu ça, je pense que ça serait la plus heureuse. Je regarde si je peux en prendre une à Mimi. Oula, 20 euros. Non merci. Vous êtes pas très belle. Mais en fait, en salé, il n'y a rien d'intéressant à part des grignotages. Heureusement qu'on a encore à manger dans la glacière. Presque 30 minutes de galère pour réussir à avoir du réseau. Là, ça commence à peut-être marcher un peu. En fait, ça marche pas parce qu'il y a trop de monde sur Cyclades. Du coup, je pense que je pourrais regarder que ce soir si j'ai mon bac ou pas. Je peux regarder que ce soir. Là, c'est mort, ça marche pas. Il y a grave du vent. Oh, s'il vous plaît, regardez le vent de là. Oh, c'est incroyable. Regardez, ça, c'est le bateau. Thank you.
cette année, on voulait amener Mimi dans la piscine. D'habitude, là, il y a une piscine, là-bas, il y a un jacuzzi. Ils ont tout fermé. La pauvre. Heureusement, nous, avant, quand on était petits, c'était toujours ouvert. Mais j'ai remarqué ces dernières années, c'est fermé. Oh, ça m'a décoiffé. Oh là là, maman, arrête, t'es marre. Regarde comment ça m'a décoiffé. Ça, c'est un haut de chez Shein. Un pantalon de chez Zara. Mes claquettes, elles viennent de chez H&M. Et mon sac vient de chez Zara. Voilà. Et ma coque, elle vient de chez Shein aussi. Mon collier H&M. Voilà. Et pour une fois qu'on a l'ascenseur pour nous tout seul. Atlantic Tech. Là, je crois qu'il est à peu près 18h. Et le bateau, il sort à 8h. Mais je pense qu'il va sortir plus tard, vers 10h. Et en vrai, là, il n'y a rien à faire. Genre, on est juste en train de tuer le temps. On s'amuse, on fait des trucs. Genre là, vous pouvez voir Ryan et Mimi qui font la course. Ils font la course, hein. Moi, j'ai pas la foi de faire la course. Je suis fatiguée. Je m'ennuie. Il n'y a rien à faire. Les salles de jeu, elles sont fermées. Ah, mais avec Ryan, comme des cons, on est parti remplir des bouteilles d'eau dans les toilettes. Et en fait, c'est pas je bois. Je me rends compte, il y a une carte. Regardez, il y a écrit quoi. Mais s'il vous plaît, et ça je l'ai vu, ça je l'ai vu que quand j'étais en train de boire eau non potable. Bon, là je suis en mode sérieuse, en mode professionnel. Je suis en train de gérer le montage. En fait, vous voyez, vu que c'est, je filme vraiment tout dans ce bateau, ça prend tout le stockage de mon téléphone. Et du coup, à chaque fois, il faut que je transfère tous mes fichiers sur l'ordinateur. Comme ça, je supprime tout ce qu'il y a dans mon téléphone et j'ai du stockage et je peux filmer ce que je veux. C'est pour ça que je vous ai dit que cette vidéo va être super longue. Le bateau, il commence à beaucoup bouger. Ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Il est comment ? Ah, le magasin il va fermer dans 20 minutes. Ah, ça veut dire dans une heure on descend. Je pense d'ici 2h, parce qu'une heure avec eux impossible. Il est 18h. Il est 18h22. Oh, vous voyez, vu que je savais que j'allais pas avoir de réseau, j'ai préparé une playlist. Moi j'aime trop les sons d'avant. Je suis grave bloquée aux sons d'avant. Je vais vous chanter un passage que j'avais oublié. Qui s'en rappelle? Marie, c'est Gomorra, il y a tout qui cherche à on s'en bat les couilles, maintenant un jour il faudra rendre l'âme. Une pina colada, trace en Espagne. Oh, celle-là, c'était typique le passage sur Musical.ly. On faisait des mouvements de malade. Hein? Elam, c'est qui? Elam, c'est Alonso. Ouais, Elam, c'est Alonso. On part en combat, en montant bombe. On y va? On y va? Même pas bu d'eau. Ouais, on avait prévu des bouteilles d'eau pour les remplir, mais MDR, c'était de l'eau non potable. Ryan, il est toujours au bout de sa vie. Bref, on y va? On y va, t'inquiète, on y va. Allez, on va aller. C'est maman, ça. On va aller, t'inquiète. On va y aller. À chaque fois, elle dit on y va et elle s'allonge encore plus. Ouais, on est loin de partir avec maman. Non, moi, c'est bon, je vais, moi. Trop à l'aise. Trop à l'aise. Il en a marre. Est-ce qu'on voit les montagnes? Il y a de la buée, on voit rien. Mais pour l'instant, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien du tout. Et les fenêtres, elles sont sales. Il est, je crois, 19h, je sais pas il est quelle heure. Mais là, le bateau, il vient de s'arrêter. Donc apparemment, on est censé être arrivé. Ah, mais il a l'air de faire jour. Mais il fait jour encore. Je pensais qu'il faisait nuit, pardon. Je pensais qu'il faisait nuit, mais là, voyons, on passe dans les cabines, et il y a des cabines, elles sont ouvertes. On voit à travers leurs fenêtres, on est arrivé, c'est sûr, et il fait jour, je pensais qu'il faisait nuit. Oh, mais c'est trop beau, regardez. Attendez. Regardez le coucher de soleil, comment il est incroyable. Et on est arrivé, en fait. Regardez. En fait, il y avait une salle de jeu, mais c'est pour les petits, c'est pas pour nous. Regardez. Donc c'est vraiment pour les petits-petits. Nous, avant, c'était les machines et tout. Même tu mettais de l'argent, tu pouvais conduire, tu pouvais faire du pistolet, c'était trop bien. Bon, on quitte la cabine. On a pris les sacs, le sac à dos. Et c'est parti.
regarde les apprentis aventuriers, il a pas vu le dernier épisode. Moi je sais que c'est qui a gagné. Bon, on s'est arrêté à un air de repos. On a pris à manger. J'ai pris un soufflé au jambon. On va voir si c'est bon. Ça va. Bon, vu que je viens de voir qu'il y a internet dans l'air de repos, j'ai pu voir mes résultats du bac et je suis choquée. À l'écrit, j'ai eu 12 sur 20 alors que je suis une catastrophe. Toute l'année, quand je vous dis que j'ai pas eu une seule fois la moyenne, si je l'ai eu une seule fois et par chance, genre j'ai eu 10 piles, mais sinon c'était que des 5, genre c'était même pas des 8 et des 9, c'était des 5, des 4, des 3 et des 2. Et là j'ai eu 12, genre je comprends pas. Et à l'oral, j'ai eu 12 aussi. Du coup, j'ai le bac de français, choquée. Dans ma chambre en Tunisie, ma chambre d'amour, enfin. J'ai ma valise arrangée. Là, j'ai ma grosse valise arrangée dans mon armoire. Enfin, il était temps. On a fait genre presque 7 heures de route. La douane, je crois que j'ai jamais passé une douane aussi rapide de ma vie. Quand je vous dis, si j'avais chronométré, ça aurait fait même pas 10 minutes. Oh, mais s'il vous plaît, qui a déjà passé une douane aussi rapide? On a dit qu'on venait de Göbekli, d'une ville super loin. Du coup, il nous a compris, il a été compréhensif et il nous a fait partir directement. Il a vérifié, mais vite fait. Le vlog touche à sa fin. Mais avant, attendez, je vais vous montrer ma maison de l'extérieur. Elle est trop belle. Je vais vous la montrer. Là, on est sur la véranda. Regardez, ça c'est la voiture. On a enlevé toutes les valises et tout. Et regardez, mon père, il a fait faire quoi? Il a enlevé le sable. Avant, il y avait du sable. Maintenant, il n'y a plus de sable. Genre, c'est de la pierre, on pourra pas faire des chapiteaux, j'ai trop la haine. Là, c'est l'appel à la prière. Et voilà, c'est tout ça avec ça. Ces escaliers-là, là. À côté, ah mais si, même si à côté, là, c'est à nous. Putain, c'est énorme en vrai, tout ça, là. Du coup, voilà ma petite maison, franchement, pas mal. On est mieux à l'intérieur, hein, à l'intérieur. C'est bien climatisé, là, il fait super chaud. Le vlog, il touche enfin et malheureusement à sa fin. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai montré plus de choses, parce que par rapport au premier vlog, vous l'avez kiffé, hein, mais j'avais beaucoup remarqué dans les commentaires et même dans mes retours sur Insta et tout, il n'y avait pas assez de choses, je ne montrais pas assez le bateau. J'aurais voulu vous montrer plus, mais j'arrive pas, soit j'étais fatiguée, soit j'avais plus de charge, mais franchement j'ai fait de mon maximum. Et Inch'Allah, de toute façon, il y aura aussi le retour, hein. Je vous montrerai le retour, etc. Moi, si vous voulez d'autres vidéos en Tunisie, parce que je suis là pendant genre 1 mois et 10 jours, donc je peux vous faire plein de vidéos, plein de vlogs, je peux vous faire des dégustations, franchement, je peux vous faire de tout. La vérité, dans les commentaires, n'hésitez pas, dites-moi toutes vos idées, mais vraiment tout. Je prends en compte, je vais être grave productif. Là pour l'instant on est les premiers à être arrivés, mon grand frère il vient demain, ce soir à 22h il a son avion et je pense qu'il vient demain, genre le temps de venir et tout puisqu'on a 7 heures de route. Et mes cousins, cousines, Donia, Inès, Wajdi, mes tatas et tout, ils viennent aussi aujourd'hui, entre aujourd'hui, demain et après-demain. En fait chaque jour il y a un nouveau groupe qui vient, du coup je suis trop contente, je pourrais faire des vlogs avec eux, ça va être trop bien. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez plein de vidéos, des vlogs, franchement, la vérité, n'hésitez pas. Et voilà, en plus, j'ai tout prévu, hein, des forces, j'ai pris ma grosse lumière, ma grosse ring light, là, vous voyez, là, énorme. Je l'ai pris, je me suis dit, mon père, il allait me dire, mais tu veux emmener ça au bled, tu vas faire quoi avec? Mais ça va, en vrai, il a rien dit. Mais, oh, j'ai pris toute ma chambre, donc ça va, je suis contente. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai fait voyager pour ceux qui ne rentrent pas en Tunisie. J'espère vous avoir fait assez voyager durant ce vlog. Là je vais me mettre au montage, je sais pas du tout elle va durer combien de temps. À la prochaine et bientôt dans une semaine pour une nouvelle vidéo en Tunisie et pour toutes mes aventures. Bisous. Oh c'est trop bizarre, je vous promets c'est trop bizarre. Je suis contente.